Voilà mes bijoux, de retour dans ce studio. Voilà, vous écoutez l'émission TOS. TAS. Voilà. Qui passe bien évidemment sur Radio Kamit, la radio ancestrale. Ancestrale. Celle-là qui reparle de nos cultures, celle-là qui revalorise certaines, on va dire, coutumes. Oui, voilà, nos us et coutumes, nos traditions. Bien sûr que c'est le berceau des civilisations qui est mis au devant de la scène à travers nos productions. Et vous faites bien d'être toujours nombreux à nous regarder et ça nous fait plaisir. Oh, quand il parle vraiment, ça baisse. J'étais déjà sur le point de commencer un rêve où on me donnait de l'argent, sauf que brusquement il coupe. On m'a même pas encore donné l'argent à mon père. Toi aussi. Bref, mes bijoux, vous l'avez suivi, c'est Tostas. Particulièrement cette émission, c'est pala pala, un peu de tout. Ça sort comme ça sort. C'est wassa wassa. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, ce sera les jobs pour étudiants. Bien évidemment, il n'y aura pas une histoire. Notre cher Kamga. Kamga ne m'a pas appelé. Vous savez, c'est quand Kamga m'appelle que je vous dis aussi, car voilà ce qui est arrivé à l'autre, un autre pote là-bas en Angleterre. Là. Il ne m'a pas appelé. Donc nous allons parler aujourd'hui des jobs pour étudiants. Avant que d'y arriver, on va inviter tous ceux qui nous regardent et qui aiment bien ce que nous faisons, de davantage nous mettre un like. Ah oui. Oui, parce que nous en avons besoin, bien sûr. Votre avis compte, tous les sujets que nous évoquons dans le cadre de cette émission. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous surtout à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir davantage les vidéos que nous produisons. Ah oui, et de partager. Notre force, c'est vous. Sans vous, maman, nous ne sommes rien. Donc, pardon de vous abonner. C'est déjà fait. Non, je ne crois pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous avant que je continue. Ben, c'est fait. Puisqu'ils te le disent. Ah, c'est fait. Ok, on continue alors. Vous savez, chaque individu dans la société a un cycle de vie. Chaque être vivant a un cycle de vie. Et ces masques-là, ils se trouvent que pour davantage se vivifier, avaient besoin de se donner un peu de punch. Wow. Ben, je suis dans le sujet ou pas? Je ne sais pas, mais j'adore vivifier. Ah, vraiment. Et c'est comme ça, il m'embrouille avec les gros mots. Quand j'ajoute ça à mon vocabulaire, je ne sais plus de quoi je parlais. Hé, hey, ce garçon. Bref, mes bijoux, pour vous quand même, je sais que le thème du jour, c'était les jobs étudiants. N'est-ce pas? Ah oui. Hé, hey, Moni, on doit se faire le cap ici dehors. Sinon, on fait comment? Tous, ben toi oui. Donc, l'intelligence vraiment est à nul autre pareil. Elle ne souffre de rien. Qui ne souffre de rien? Dont l'imagination est fertile. Je sais pas, dis-nous, dans l'âme ou toi, c'est rien. Dis-nous comment tu as fait, comment tu fais et que tu prévois continuer de faire pour toujours subvenir aux besoins, à tes besoins quotidiens et également à ceux de tes amis. Hein? Ben oui, c'est simple, hein? C'est simple. Si vous êtes à la recherche. Pour être à la recherche des opportunités, pour savoir les saisir, il faut d'abord, au préalable, qu'il y ait des problèmes. Eh bien, moi, j'en ai, Dieu seul sait combien. Tu as évoqué mes cheveux tout à l'heure. Déjà, il faut prendre soin de ces cheveux-là. Ah, bien sûr. C'est un problème. Et puis, voilà, si je vais compter d'autres problèmes, bah, j'ai un ventre qui n'est pas des plus... Des plus normaux. Normaux, voilà. C'est un autre problème. Il faut bien pouvoir en prendre soin. Voilà. Et voilà. Donc, tant que vous n'avez pas de problème, c'est clair que vous ne vous mettez pas dans la dynamique de la recherche des solutions. J'ai dit que le gars, il va me tuer. Il a ces problèmes-là. La famille se positionne à quel niveau? Bon, en fait, en gros, je pense que le véritable problème... Ben, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et c'est ça le nœud du problème. En effet. Voilà. On parlait bien sûr en cette période de vacances, vu que c'est les jobs, il faut savoir aller pas seulement se rendre utile, mais surtout mettre
à profit les vacances, cette période pendant lesquelles, pour les étudiants, parce que, rappelons-le, nous faisons davantage cette production pour les étudiants, parce que ceux-là, ils sont en vacances en ce moment. Mmh. Donc, comment rendre bénéfiques ces vacances? Comment se mettre de manière active à la recherche de petits gains pécuniers dans cet ailleurs un peu plus difficile? Parce que, rappelons le contexte, nous nous adressons majoritairement à un public diasporique. Voilà. Donc, vérifié, diasporique. Voilà. J'apprends aujourd'hui. C'est l'intelligence, ça coule à profusion et puis c'est le talent. Si tu laisses le talent s'endormir, mais il s'évapore. Hein? Il s'évapore. Même des expressions. Vous convenez avec moi. C'est pour s'amuser, c'est pour s'amuser, vous nous pardonnez tout ça. Donc, je disais pour... À nos bijoux de... Ouais. Nos bijoux diasporiques. Ouais, nos bijoux pour diasporiques. Pour utiliser l'expression. Pour utiliser l'expression. Mais tu vas pas me la faire, hein. Tu vas pas me la faire. Bah non, c'est juste que c'était vivifiant. Ah, d'accord. D'accord. Alors, j'étais donc 10 ans. Ça aussi, tu vas noter, hein. J'étais 10 ans que pour cette période, il est important et bien sûr très bénéfique de pouvoir revenir de ces vacances-ci avec un certain revenu glané durant ces activités, durant quelques activités menées celles-là pendant ces vacances. Alors, quelles sont les activités? N'attendez pas de nous que nous vous disions voici où vous pouvez aller chercher de l'argent, parce que nous n'avons ni la compétence, ni la notoriété. Mais ce que nous pouvons faire avec vous, parce que nous vous aimons et Dieu seul sait combien vous nous le rendez, c'est simplement vous donner quelques pistes à explorer pour pouvoir vous mouvoir et être davantage dynamique. Bien sûr, c'est avec TAS, les différentes pistes. On va commencer par quoi déjà? Quand il parle comme ça, non. Ah, mon père dit, tu sens que hein, quelqu'un est quelqu'un quand il a son quelqu'un quelque part qui est quelqu'un. C'est-à-dire, ah bah, intellectuel. Yes. Tu veux que j'en rajoute quelque chose? Non, tu peux gâter. Laisse comme ça. Je te connais. Hi, quand tu dépasses il y a les 3 minutes là. Hi. Bon, comme il a si bien dit mes bijoux, nous allons juste vous donner partager nos petites expériences. Parce que vraiment... c'est pas facile les jobs et donc pour en trouver il faut beaucoup travailler, il faut davantage travailler. Et je ne sais pas toi, si tu voulais nous parler d'un travail sur soi, je sais pas trop. Ben oui, c'est une des premières choses à faire lorsque vous êtes arrivé, d'ores et déjà quand vous arrivez dans votre nouvel environnement, il faut l'adaptation, et cette adaptation est tributaire d'un ensemble de choses que vous devez faire. Et pour nous qui sommes dans des pays où on parle des langues différentes à celles que nous avons laissées dans nos différents bleds, ceux qui sont confrontés à une première difficulté qui serait une difficulté linguistique, une barrière pour certains, le premier travail sur soi à faire, c'est bien sûr non seulement apprendre la langue, mais la maîtriser. C'est un travail pour moi très très important à faire. Et ceci, c'est un processus, pas pendant les vacances, vous n'apprenez pas la langue pendant les vacances, mais non, dès votre arrivée, c'est une des premières choses à faire. Parfaire votre langue pour ceux qui la parlaient déjà. L'apprendre tout à zéro pour ceux qui ne l'avaient jamais apprise. Ça, c'est un des premiers éléments, mais je crois qu'il y en a bien d'autres. Comme faire suivre des formations, mais vous comprenez que si vous êtes dans une ville qui offre souvent des formations, et je vais prendre l'expérience d'une ville comme Turin, où j'ai quelques expériences de cette ville-là, il y a des formations, mais gratuites. Et comment faire pour savoir que ces formations sont proposées? Savoir se mouvoir avec son outil internet informatique, un téléphone portable, votre ordinateur, vous avez la connexion, c'est une chose qui, on va dire, ne manque pas vraiment. D'où la nécessité de maîtriser aussi l'outil informatique, soit dit en passant. Tu vois, tu peux dire des choses intelligentes quand tu dis. Ah, j'ai dit soit dit en passant. T'as suivi? Donc, vous voyez,
Quand je décide d'être sérieux, ben voilà, voilà ce qui arrive. C'est que ça contamine. Ben oui, ça contamine. Vraiment, je te crois. Voilà mes bijoux. Donc, pour résumer tous, voilà, c'est important de maîtriser la langue. Qu'importe le pays où vous allez, il faudrait vraiment chercher les moyens de vous former en la langue principale du pays en question. Si c'est en Italie, pour le cas d'espèce d'italien, si c'est en Allemagne, l'allemand. Et voilà. Bien sûr, vous aurez la possibilité de faire des cours dans d'autres langues. Ce n'est pas que tous les cours seront forcément en italien, mais comme il l'a dit, c'est nécessaire pour chercher des jobs parce que dans ce contexte-là, c'est un plus. Si je... Bah oui, c'est ça. Il y a toute une autre liste de solutions à vous proposer. Bon, on va simplement dire qu'on se retrouve derrière la petite virgule et le temps de souffler un tout petit peu. Et Tos, pour revenir à ce que tu disais tantôt, c'est important de maîtriser la langue et aussi l'outil informatique. Et j'y pensais. C'est vrai, il faut maîtriser l'outil informatique. Mais je me dis, il faut aussi le faire valoir, savoir le mettre en avant dans le CV, par exemple. Parce que pour, n'oublions pas, pour trouver un job, il y a des procédures et parfois il faut passer par déposer un CV. Il faut également que le CV soit bien présenté. Il y a des astuces comment bon, vous aurez d'autres émissions, bien évidemment, de cette radio qui traiteront de ces sujets-là. Comment élaborer un CV. Voilà. Donc, nous n'allons pas entrer dans les détails. Tout ce que je voulais juste dire, c'est que maîtriser l'outil informatique et peut-être savoir le présenter, le valoriser aussi dans le CV. Oui, le faire valoir, c'est très important parce que dites-vous que pour quelqu'un qui a déjà, voilà, qui a un téléphone et les jeunes aujourd'hui ont des téléphones smart, vous avez des compétences en informatique que vous ignorez. Voilà. Il faut souvent savoir les faire, les valoriser. Mais un autre aspect, pas des moindres pour l'utilisation de l'outil informatique, dites-vous que savoir naviguer sur Internet, c'est une compétence informatique. Donc, c'est très important ça, et de souvent souligner. Dans le CV. Oui, oui. Voilà. Et je me disais également, Tos, déjà tu as dit, quand on arrive dans un pays, forcément, tous ne viennent pas de prime abord pour les études, ça c'est vrai. Mais prenons le cadre de ceux-là, ces étudiants qui viennent poursuivre un cursus scolaire. Je me dis, dans les universités par exemple, pour ceux qui viennent après le bac, il doit y avoir, je pense, des personnes qui s'occupent spécialement de ce contexte-là. Par exemple, si je prends ma petite expérience à l'université de Turin, il y avait un job placement qui s'en chargeait, un bureau ou Tirocini, père, oui. Alors oui, ça c'est un aspect très important à souligner. Toutes les universités, pas seulement en Europe, même déjà certaines universités en Afrique le font, elles ont un département qui s'occupe de l'insertion socio-professionnelle des étudiants après leur diplôme. Mais ceci commence, on a évoqué le cas du CV tout à l'heure. Les étudiants, en fait, pour ceux qui arrivent nouvellement dans des universités européennes, vous devez savoir que du moment où votre inscription est validée, vous avez une page à vous dans la plateforme, en fait, sur le site, dans le site de l'université. Cela sera évidencié par le bureau qui s'occupe, évidemment, des placements dans des entreprises pour des stages académiques ou alors pour, disons, qui s'occupera de vous présenter aux entreprises pour quelque expérience professionnelle que ce soit. Ceci, c'est très important parce que dites-vous que pendant que vous étudiez, il y a déjà des entreprises qui vont chercher des potentiels employés dans les universités et quelquefois, ces entreprises n'attendent pas les produits finis, vont préférer aller voir déjà des profils en devenir, des profils en construction. Mais c'est très important d'y accorder du sérieux lorsque vous remplissez ce CV-là. Oui. Donc c'est important également de se rapprocher vraiment de ce service de votre université. Vous aurez la possibilité de trouver également des jobs à ce moyen-là. Et vu qu'on en parle de se rapprocher des services, je pense qu'il y a également des agences intérimaires hors du cadre de l'université. Universitaire, exactement. Il y a des agences intérimaires qui, voilà, se
charge d'être le lien entre l'étudiant, entre le chercheur d'emploi, le chercheur de job et les entreprises qui en ont besoin. Ah. Mmh. Et d'accord. La chose la plus importante là, c'est aussi savoir dire ce qu'on a fait. Parce qu'on revient encore là sur le CV et bien d'autres choses. Mais je voudrais peut-être terminer par là. Dans cette recherche de l'emploi, sachez qu'il y a l'élément culturel, mais qui est très très important. Nous avons parlé de la langue, mais pas que. Il y a aussi le savoir comprendre la culture dans laquelle vous vous mouvez. L'intégration. L'intégration. De toutes les façons, nous invitons ceux qui nous écoutent à partager leur expérience, d'où qu'ils se trouvent. Exactement. L'Allemagne, la Belgique, la France, l'Angleterre, mais voilà. Ceci pourrait aider des étudiants qui arrivent ou alors des personnes qui ne sont pas arrivées dans le cadre des études, mais voilà, ça pourrait les aider à savoir mieux, voilà, saisir une opportunité qui peut être, voilà, à la fin, bénéfique. Voilà. D'une toute autre aventure, pourquoi pas. Donc, voilà, c'était Tos, l'intellectuel, qui nous a donné quelques points très pertinents en ce qui concerne la recherche des jobs pour étudiants. J'aime quand tu dis pertinent. Oui, bien sûr, parce que... Tu peux le dire encore. Pertinent. Il aime se prendre la tête sur lui. Vous pensez que je dois le redire? Certainement pas, n'est-ce pas? Certainement pas. Non. Voilà. Mes bijoux, c'était tout pour aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir été nombreux à nous écouter, d'être toujours scotchés sur notre programmation TOSTAS. Voilà. Et nous vous, nous sommes reconnaissants, sans vous, nous ne sommes rien. Et nous vous prions de laisser vos avis, comme TOS l'a dit, de liker, de partager, bien évidemment. Et c'est ça qui nous encourage. Et voilà, sans plus tarder, Tos, je pense que nous allons céder la place à notre légendaire. Ben oui, on va accueillir cet invité le plus spécial que nous avons. L'honneur intime, voilà, de... Voilà, de toujours écouter et de savourer vraiment ces belles chroniques, ces chroniques alléchantes. Vraiment, avec lui, on ne s'ennuie jamais. Il a toujours une dernière touche là, particulière. Quand tu crois qu'il ne peut plus te surprendre, c'est là où il vient, il te dit que ma chérie, comme je t'ai dit là, moi là je suis Docteur Ndoc. Et Docteur Ndoc, c'est Docteur Ndoc. C'est drôle ce nom. Écoutons Docteur Ndoc. Je me souviens des bateaux qui partaient au pays de l'oncle Sam. Si vous n'y comprenez rien et ne reconnaissez pas la chanson, nous sommes pareils, car moi-même je ne m'y connais pas en mélodie. Qu'auriez-vous voulu que je fisse d'ailleurs? Auriez-vous voulu que je vous chantasse les pleurs d'un nègre pleurnichard à qui on a bien voulu enseigner que sa propre histoire ne commençait qu'avec la déportation, le jour de la déportation aux Indes. Je dis bien les Indes, pour vous qui n'étiez pas encore nés, on ne parlait pas encore des Amériques. Mais pourquoi je vous raconte tout ceci enfin, alors que le contrat pendant entre vous et moi est simple? Moi, je raconte mes bêtises bien sûr, et vous, vous m'écoutez. Je suis le philosophe, et pas des moindres, philosophe émérite, docteur de surcroît, philosophe comme l'était mon père, comme l'était son père, et comme le seront ceux qui suivront. Et le discours commence à être élevé, tellement élevé qu'il sera plus digeste pour ceux qui n'ont pas faim. Et oui, quand vous n'avez pas faim, vous êtes beau et belle pour celle que j'affectionne. Par contre, quand vous avez faim, ou tout au moins, quand il vous manque, ne fût-ce un réchauffé de pasta, quand il vous manque, point de suspension, honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle. Quand vous êtes dans le besoin, honte à la honte, et bonjour les petits métiers. Là, on ne se pose plus la question de qu'est-ce qu'on doit faire, sinon celle du comment, quand et où. Promener les chiens, nettoyer les crasses et les crottes,
épouser les veuves, bien sûr que je ne parle pas de ces métiers-là, ces jobs-là, ils sont démodés. Et si c'est du philosophe que je suis, que vous attendriez une solution, vous pourriez par exemple vous mettre à l'école de la sagesse et créer votre chaîne YouTube, devenir un des plus grands philosophes du siècle dans les directs. Je suis le philosophe émérite, le docteur Ndong. Concha, pour les intimes, je vous mets en garde. N'allez pas confondre mon nom à un misérable maire d'un misérable peuple. Bien sûr que je dis des bêtises. Dire des bêtises, d'ailleurs, c'est la seule manière pour moi de prouver ma liberté dans ce monde où les hommes philosophes raisonnent et pensent tant. Sur Facebook, bien sûr. Oh, vraiment, docteur Ndong. En tout cas, tu es libre, papa. Dis tes bêtises. C'est bon à nous. Vraiment, avec docteur Ndong, le Ndong est plus qu'une simple question de courage. C'est terrible, vraiment. Ah oui. C'est terrible. Nous allons très vite conclure cette émission, mes bijoux. Nous espérons que vous avez pris du plaisir vraiment à nous écouter et que vous vous êtes marrés comme nous nous marrons dans ce studio. Vraiment, j'en peux plus. Et nous vous prions voilà, de rester scotchés. Oui, surtout de savoir nous le rendre en partageant cette vidéo. Ça nous fait plaisir, mais surtout liker, cliquer sur la cloche de notification pour recevoir davantage de vidéos que nous produisons. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page, notre chaîne YouTube. Voilà, c'est très important. C'est très important. Je contrôle. Je contrôle. On va leur dire au revoir. Voilà. Mes bijoux, portez-vous bien. Et à la prochaine édition. Take care. Tu vois mon nouveau salut. Alors